C'est par vagues successives que les agresseurs ont envahi cette terre. Ils ont tenté de déraciner nos ancêtres de leur pays, les dériver de leur religion et les priver de leurs identités. Des tentatives brisées, tout comme ces vagues qui se brisent sur ce littoral, brisées par une identité forte, des principes enracinés et une volonté trempée en acier, pour que nous puissions aujourd'hui vivre libres dans le pays de la liberté. هذا المكان مع الأسف في يوم من الأيام كان مركزاً لتكوين المبشرين الذين يحاولون إخراج الجزائريين من عقيدة الإسلام ونشر دين آخر في هذا البلد ولكن الجزائريين بما يملكون من ميراث راسخ وعقيدة راسخة ظلوا مستمسكين بهذا الانتماء إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولأجل هذا بعد الاستقلال لم يجدوا من رمزية يعطونها إلى المكان إلا رمزية محمد صلى الله عليه وسلم فسمي المكان بالمحمدية نسبة إلى النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم Pour protéger notre identité, notre religion, des dérives et des tentatives d'influence, l'Algérie a fait d'El Mohammadiyah tout un symbole, en édifiant la plus grande mosquée jamais construite au Maghreb, en Méditerranée et en Afrique. La décision a été prise. Le projet a commencé à prendre forme sur une superficie de 30 hectares. Une volonté claire pour faire de l'Algérie un lieu de rayonnement culturel et religieux à travers le monde. Le projet a nécessité un suivi permanent de la part des hauts responsables afin d'accomplir la vision du peuple et de l'État. Ce gigantesque chantier a livré un monument culturel d'une beauté exceptionnelle. 120 000 fidèles pourront ainsi prier dans la plus grande mosquée d'Algérie. La salle de prière à elle seule peut accueillir 36 000 fidèles. La grande mosquée d'Alger est aussi un hommage vibrant à toutes les mosquées d'Algérie profanées par le colonisateur. Cette mosquée est aussi une réhabilitation de notre architecture dans ses dimensions formelles, ornementales, spirituelles et religieuses. La Grande Mosquée d'Alger se classe ainsi comme la troisième plus grande mosquée au monde, après Al-Masjid al-Haram à la Mecque et la mosquée du prophète à Médine. La grande mosquée d'Alger possède quatre portes principales, Al-Nasr, Al-Muhammadiyya, Al-Fath et Al-Musalaha. Le mihrab de la grande mosquée d'Alger est l'un des plus beaux et des plus originaux au monde. Il est composé d'éléments architectoniques, décoratifs de style maghrébo-andalou. Sa façade est ornée avec ses inscriptions koufiques du verset 35 de Sourate An-Nur et les 99 noms d'Allah. زخرفة جامع الجزائر ذات أصالة جزائرية ونمط مغاربي أندلسي. استمد كثير في الفن الخط الفن العربي المنمنمات منها الهندسية والنباتية. Les fidèles pourront accomplir leurs prières sur un tapis jamais construit auparavant en Algérie. Ces dessins regroupent les symboles de toutes les régions de ce grand pays.
السجاد لجامع الجزائر ليعكس أيضا الثقافة الجزائرية من 12 منطقة منطقة جزائرية والذي اللي عندها معروفة مشهورة بالنسج على السجاد السجاد المزابي السجاد القبائلي تاع المامشة وكذلك يمثل 29 منطقة أخرى لتلقاها على الشريط لدور حول سجاد جامع الجزائر. Quand vous visitez la Grande Mosquée d'Alger, prenez le temps d'apprécier son minbar inspiré du minbar de la Grande Mosquée d'Alger, édifié par les Almoravides en 1097. Le minbar de la Grande Mosquée d'Al-Aqsa, connu comme le minbar de Salah ad-Din al-Ayyoubi. Le minbar de Cordoue, construit sur ordre du prince Ali ibn Youssef en 1137. Ce minbar mobile, en bois, allie patrimoine et modernité. Pour éclairer le chemin des fidèles, un lustre majestueux est suspendu au milieu de la salle de prière. 9 tonnes et demie et plus de 370 000 cristaux Swarovski. Il a été confectionné à partir de pièces métalliques de premier choix, couvertes en or massif. Il est décoré de l'intérieur d'une calligraphie portant les formules « Gloire et louange à Dieu, gloire à Dieu le Tout-Puissant ». Avant d'entamer leur prière, les fidèles pourront faire leurs ablutions dans les 1177 points d'eau dans les rez-de-chaussée, des structures qui obéissent à toutes les règles de confort et de sécurité. Le minaret de la Grande Mosquée d'Alger est une œuvre architecturale considérée comme le plus haut minaret au monde. 265 mètres composés de 43 étages. Le minaret compte un musée, un centre de recherche, un espace de détente et une somra et un espace panoramique. المنارة الوظيفة تاعها ماشي غير الأذان عندها عدة وظائف أخرى منها الموزي كي سيطال في 15 طابق ومركز أبحاث مع مكتب كي سيطال سور دي نيفو مع زوج منصات المشاهدة و السكايف وطوابق سكايف واي سي طوابق الراحة En voici une autre structure qui va briller par la qualité de ses travaux. La maison du Coran, Dar al-Qur'an, un institut indépendant qui peut recevoir 300 étudiants des quatre coins du monde. Cet espace de savoir compte des amphithéâtres, des salles de cours et d'autres structures qui offrent aux enseignants et aux étudiants toutes les conditions nécessaires de l'apprentissage. Espace de savoir et de culture qui compte un centre culturel, une bibliothèque et des salles de conférence d'une capacité de 1500 places. À
المكتبة مكونة من ثلاث مباني، المبنى الأول مبنى مخصص الإدارة، المبنى الثاني والثالث مخصصين لاستقبال الرواد ومستقبل الأشخاص. فيما يخص هذه المبنيين هم مقسمين إلى عدة أقسام بيداغوجية، قسم الآداب، قسم العلوم، وقسم السمع البصري. عملية نقل وتسليم الكتب تتم عبر آلية حديثة وهو ناقل الكتب communément appelé le convoyeur de livres. La bibliothèque dispose d'une salle de conférence de 300 places et une grande salle de projection, en plus de 4 salles de cours et une cafétéria. Un million d'ouvrages seront à la disposition des lecteurs. Ainsi, 3400 visiteurs pourront dévorer ces livres en même moment. Pour alimenter tous ces bâtiments, la Grande Mosquée d'Alger dispose d'une unité d'énergie qui régule la distribution de l'électricité, de l'eau et de la climatisation. Un grand réservoir de 2300 mètres cubes alimente les différentes structures de la mosquée en eau potable. يحتوي جامع الجزائر على نظام ذكي اقتصادي للمياه بحيث تخزن مياه الأمطار في خزان بسعة 6500 متر مكعب. هذه المياه يتم تصفيتها لتستعمل فيما بعد لسقي المساحات الخضراء للمسجد. يحتوي النظام الثاني على نظام لتصفية المياه المستعملة في الوضوء استعمالها فيما بعد لتصريف مياه الصرف الصحي. Les espaces verts irrigués par les eaux de pluie, les voici, 14 hectares de verdure. Parmi eux, 3 hectares ont été transformés en 18 jardins dans lesquels ont été plantés tous les arbres fruitiers cités dans le Saint-Coran. Des jardins entourés de plusieurs fontaines. كل حديقة مختلفة عن الأخرى. باختلاف النباتات والأشجار المغروسة فيها. Chaque réalisation de la grande mosquée d'Alger est une œuvre d'art unique. Sa coupole est située au centre de la salle de prière. Elle fait 51 mètres de diamètre. La coupole est ornée de l'intérieur de formules géométriques simples de 3 dimensions apparues pour la première fois dans la citadelle de Beni Hamed en 1007 avant d'être exportée en Andalousie, en Maghreb et en Italie. De l'extérieur, la coupole est décorée d'une étoile à 32 rangées, dont chacune est ornée d'un réseau losanger inspiré de la forme de la main à 5 doigts symbolisant les 5 piliers de l'islam. Grâce à son architecture, pendant la journée, cette coupole laisse entrer la lumière. Le soir, elle illumine la nuit de la capitale. La mosquée d'Alger compte également des bâtiments pour l'administration, la protection civile et la sécurité. La grande mosquée d'Alger, c'est aussi un défi architectural qui a poussé des dizaines d'architectes à trouver des solutions pour sécuriser la salle de prière. Système antisismique des plus performants a été mis en place par ses ingénieurs. Il permet à la salle de prière d'être sécurisée à 70% des dangers des séismes.
هنا رانا في الطابق السفلي الثاني لقاعة الصلاة، وهو طابق فيه النظام المضاد الزلازل اللي متكون من نظامين أساسيين، وهو النظام الأول وهو نظام العزل على الزلزال إيزولاتور أبوندول إنفيرسي، متوزع على طول المساحة لقاعة الصلاة. والنظام الثاني من المضاد الزلزال لقاعة الصلاة وهو الأمورتيسور أي متصل الصدمات، وهو عددهم 80 متوزعين على المحيط تاع قاعة الصلاة أيضا. وهذا النظام المضاد يسمح يقول نقدروا نقولوا بها باللي قاعة الصلاة راهي محمية بدرجة كبيرة ضد الزلزال. Cette belle aventure architecturale que nos ingénieurs, nos artisans ne cessent de façonner, il est question de beauté, de génie, qui reflète le savoir-faire, les traditions et le patrimoine algérien. 6 km d'ornementation font aujourd'hui la fierté de nos artisans et de nos calligraphes. عمارة المسجد اعتمدت فيها الرمزية والدلالة وأحادية المنارة. المنارة واحدة استعمل فيها المربع الذي هو أساس الزخرفة الإسلامية. استعملنا كل أنواع الخشب، أنواع الرخام، الرخام في المحراب. استعملنا المرمر الجزائري وهو مرمر شفاف ورخام شفاف. بالنسبة للزخرفة الإسلامية فهي زخرفة استلهمناها واستنبطناها من التراث المعماري الجزائري الذي نفتخر به، وهو فيه كل أشكال وأنواع الزخرفة الراقية، وينقسم إلى 3 أقسام. هناك الزخرفة الهندسية الموجودة في الجامع، الزخرفة النباتية، والزخرفة الخطية. قلنا يتيليزي قواعد صنع الجامع كالرقم الذهبي، متتالية فيبوناتشي، لسويت دو فيبوناتشي، وأشياء أخرى. C'est un projet beau, solide, grandiose, qui donne à l'Algérie une position incontournable et incontestable et une voix audible dans le monde musulman et à travers le monde. C'est un projet qui n'a pas plu aux ennemis de l'Algérie qui l'ont attaqué de tous bords, d'abord comme idée, puis comme projet et à travers des fake news propagées sur les réseaux sociaux. Mais malgré toutes ces attaques, le minaret du juste milieu est là, debout, prêt à guider des millions de fidèles vers une religion de paix, de sagesse et de tolérance. في المقام الأول والدرجة الأولى صحيح أنه تؤدى فيه الصلوات الخمس، ولكنه أيضا مكان يجمع صفوفنا ويلم شملنا ويوحد كلمتنا ويزيل الفوارق بيننا. هذه كلها وظائف يؤديها المسجد. نحن نعيش حالة من تدافع للأفكار كبيرة جدا، وهي تفيد أحيانا من الشرق وأحيانا من الغرب، ونحن نعلنها صريحة في كل المنابر بأننا نملك هويتنا المستقلة عن كل هذه التيارات، وبأننا نملك مرجعية فكرية أصيلة نعتمد عليها، عليها استقر الأمر في الجزائر. En effet, depuis l'indépendance de l'Algérie, jamais une telle réalisation n'a vu le jour. إنجاز هذا ننوي به، وهو إنجاز أنجزت الأعمال أي أنامل جزائرية، ونفتخر بها. وأنا على ما أظن أن المسجد أعطى نفسا جديدا للصناعة التقليدية. Des milliers d'étudiants étrangers pourront bientôt fouler cet endroit chargé de défis et d'histoire et résolument tourné vers l'avenir.
pour apprendre une religion de paix, de tolérance, avec des valeurs qui puisent dans la vision d'un pays qui a toujours proscrit la radicalisation des idées et valorisé la tolérance, la justice, la justesse et l'acceptation de l'autre. وهذا الجامع وجامع الجزائر إن شاء الله سيكون بيئة حاضنة لهذا الميراث العلمي الذي سنه لنا أجدادنا وأسلافنا العلماء ومن ثم فإن الكراسي العلمية التي سيزهى بها المسجد وسيزهى بها رواد المسجد وستكون منابر لعلماء الجزائر يعلمون كلمة التوحيد كما يعلمون توحيد الكلمة. Ce projet grandiose a permis à nos ingénieurs d'acquérir plusieurs compétences, des compétences qui leur permettent aujourd'hui de s'attaquer à d'autres projets de la même taille. En effet, l'Agence nationale de réalisation et de gestion de la Grande Mosquée d'Alger dispose aujourd'hui d'une expérience certaine à la disposition de l'Algérie. جامع الجزائر يعتبر مدرسة ثانية للطلبة والأساتذة. يعني احنا استفدنا من مختلف الخبرات الألمانية والكندية ومختلف مكاتب الدراسات والخبرة الصينية في إنجاز المشروع. كان لنا الشرف العظيم أن شفنا السيستم أوتيسيسميك اللي في قاعة الصلاة، البناء تاع المنارة، باسكو المنارة هي أطول منارة في العالم. دونك يعني استفدنا كثير من 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 إنجاز هذا المشروع كشباب، واللي إنجزوا المشروع هذا حوالي 70% شيء شباب. وكوننا حوالي 3000 طالب من مختلف الجامعات كانوا عندنا يجونا فيزيت يشوفوا بالشونتي بلوس لي ستاج اللي درناهم من مختلف الجامعات مثلا جامعه البوليده جامعه باب الزوار جامعه هنا الحراش وهران قسنطينه هذو كامل جاونا قادرين حنايا وعطاو لنا كما نقولوا اون شونس للشباب الجزائري قادرين يبنوا مشاريع كبيره مع لا فورماسيون هذه اللي درنا